Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Secrets de scénaristes. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Guilde française des scénaristes, à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat en France qui représente plus de 360 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du métier de scénariste, la réalité du travail d'écriture, en gros, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la création d'un film. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Michalik pour son film Edmond. Alexis, c'est un auteur multi-récompensé, notamment pour ses pièces de théâtre, des créations originales en passant par des adaptations modernes des classiques de Shakespeare. Il enchaîne les succès et devient rapidement l'un des auteurs les plus prometteurs de sa génération. En 2016, il écrit et met en scène une nouvelle pièce, Edmond, qui relate la difficile création de la mythique pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Et après 5 Molières et 2 ans de représentation, il adapte sa propre pièce au cinéma dans son tout premier long métrage, un film qui a reçu un accueil très favorable, aussi bien de la presse que du public. Monsieur Gotland ! Quoi encore ? Alors votre pièce, comédie, tragédie ? Tragédie. Comédie. Le titre ? Cyrano de Bergerac. La répétition commence demain matin. Demain ? La pièce n'est pas écrite. Très juste, écrivez-la. Nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche ? Je touche. Bonjour Alexis et merci d'être venu nous rendre visite à la Guilde française des scénaristes et merci d'avoir fait, avec ton film et ta pièce de théâtre, un éloge du travail d'écriture et surtout... Merci d'avoir réussi à passionner les spectateurs sur l'art de l'écriture. Et en France, c'est vrai que dans les magazines, dans les reportages, on parle très peu des auteurs, des scénaristes, on parle souvent des réalisateurs, des acteurs. Et c'est pour ça que justement ce genre d'émission existe, c'est pour mettre en lumière les créateurs d'histoire, les auteurs. Et donc, on va parler de ton film, Edmond. Donc, qui est ton premier film et qui était à l'origine une pièce de théâtre, mais qui en réalité était un scénario destiné au cinéma. Exact. Voilà, donc ma première question déjà, c'est comment est né ce projet et pourquoi ce scénario qui était destiné donc aux salles de cinéma est d'abord passé par la case théâtre. Alors ce projet est né il y a pas mal de temps, moi ça fait il y a 20 ans de ça, quand j'étais ado, j'ai vu Shakespeare in Love. Et je me suis dit, tiens, c'est génial cette idée de raconter la création d'un chef-d'œuvre. Et quelques années plus tard, en lisant Cyrano de Bergerac, il y avait un dossier pédagogique à la fin. Et dans ce dossier pédagogique, j'ai appris deux choses. D'abord que personne n'y croyait à cette pièce, à Cyrano. Et ensuite que ça avait été un triomphe phénoménal. Et puis surtout que Edmond, il avait seulement 29 ans au moment où il a écrit sa pièce. Donc je me suis dit, c'est passionnant, et je suis un peu allé creuser, et au fur et à mesure, l'histoire d'Edmond a commencé à voir le jour dans ma tête, en me disant, bah voilà, je vais raconter le mois avant la création de Cyrano, jusqu'à cette première triomphale, où on passe où lui va passer de l'ombre à la lumière. Et dans ma tête, c'était clairement un film, hein, parce qu'avec cette ampleur... C'était il y a combien de temps ça que t'as... Oh, il y a 15 ans, je pense. Il y a 15 ans, d'accord. Donc c'était, avec l'ampleur des costumes, de tout ça, j'imaginais les grands mouvements, la fin, Cyrano, enfin ça pouvait être qu'un film, quoi. Et puis c'est resté dans ma tête au fur et à mesure, et puis moi j'ai commencé à monter les spectacles, j'ai commencé à devenir un peu créateur, et puis à écrire des spectacles. Et un jour j'ai écrit ma première pièce, Le Porteur d'Histoire, et au moment où ça a commencé à marcher, il y a une femme qui travaillait pour Légende, Vanessa Gion, qui vient me voir à la fin et qui me dit « est-ce qu'on peut prendre un café ?» et qui me demande « alors est-ce que tu as un rêve de cinéma ?» Je dis oui, j'ai un rêve de cinéma et je lui pitch Edmond. Ouais. Donc elle me dit ok, d'accord, je pense qu'il faudrait que tu rencontres Alain Goldman. Et je suis allé rencontrer Alain Goldman dans son bureau et puis on en a parlé. Et à la fin, il m'a dit ok, top là, tu vas écrire le scénario et on va signer un contrat et tu vas écrire le scénario pour Légende. Donc j'ai commencé à bosser dessus il y a maintenant, on va dire, à peu près 6 ans, quoi.
Et j'ai commencé à développer le scénario pour eux. J'avais déjà un dossier, j'avais déjà une structure, j'avais déjà un peu monté mon histoire. Et puis, voilà, on a fait un peu structure classique. On a fait d'abord un synopsis, puis un synopsis long, puis un scénario, puis une V1 de scénario. D'abord non dialogué, puis ensuite dialogué. Un séquencier, puis une version 1, quoi. Et on a commencé en même temps à aller chercher un réalisateur pour le film, parce que c'était pas moi qui était censé le réaliser. Moi j'avais très envie de le réaliser, mais à ce stade j'avais rien fait, donc voilà quoi, c'était un gros film quand même. Et on est allé chercher un réalisateur, et on l'a proposé à 2-3 personnes qui ont tous décliné pour des raisons personnelles, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit parce que le sujet les intéressait pas trop, enfin voilà. Et puis le temps a passé, et il y a 3-4 ans de ça, je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'essaierait pas de le faire avec moi? Et puis on a essayé un peu de tâtonner, de l'envoyer à des distributeurs, à Gaumont, etc. Et on a eu des retours positifs, mais personne ne voulait se lancer dans une aventure pareille, sans casting, sans machin. Là-dessus, je suis parti à Londres un week-end pour aller voir des comédies musicales. Et parmi ces comédies musicales, il y avait une pièce qui n'était pas une comédie musicale, qui était Shakespeare in Love, l'adaptation du film. D'accord. En voyant l'adaptation théâtrale de Shakespeare in Love, je me suis dit, ah, en fait, Edmond, ça pourrait complètement être une pièce. Ouais. Et puis, ça marchait très bien pour moi au théâtre à ce moment-là. Donc, je me disais, c'est le moment ou jamais de faire une pièce avec beaucoup de monde sur scène. Et j'ai appelé le théâtre du Palais Royal, je leur en ai parlé, je leur ai fait lire le scénario, j'ai commencé à bosser sur l'adaptation du scénario à la pièce, et quand ils ont lu, ils ont dit « bon bah c'est super, allons-y quoi ». Et donc j'en ai parlé à Légende aussi, qui m'ont dit « vas-y, feu vert, fais-en une pièce d'abord ». Et la pièce a été créée en septembre 2016 au théâtre du Palais Royal, et elle a connu un succès immédiat. Et grâce à ce succès, on a pu trouver les financements pour réaliser le film. Alors, je voudrais juste déjà revenir sur ton parcours. Est-ce que, avant de te lancer dans l'écriture, tu as suivi une formation, en fait, spécifique d'auteur ou une école, ou comment tu t'es lancé dans l'écriture, en fait ? Pas vraiment. J'ai commencé à écrire quand j'avais 13-14 ans, et à l'époque, c'était plus l'envie d'écrire, quoi. Juste l'envie de... Je tenais un journal intime, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des scénarios déjà, j'écrivais des pièces, enfin je tâtonnais et je me rendais compte que j'aimais bien le fait d'écrire. Mais non, j'ai pas suivi d'école, moi je voulais plutôt être comédien à la base. D'accord. Donc j'ai plutôt fait une école de théâtre et j'ai commencé à bosser en tant que comédien très tôt, à 18 ans. Et en fait, l'écriture m'a toujours accompagné, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit mais sans comprendre qu'un jour ça allait devenir mon métier, enfin mon activité principale quoi. J'ai pas eu d'école d'écriture, juste j'ai beaucoup lu, beaucoup vu de films. Quand j'étais ado, j'allais beaucoup au cinéma, les séries, tout ça. Tu t'es formé sur le tas en écrivant? Un peu, j'écrivais plein de scénarios. Genre vraiment, avant le bac, j'ai dû écrire, 8 ou 10 scénarios de long métrage. Ouais. Mais bon, qui valait ce qui valait. Hein. Et à chaque fois, il y en avait... C'est ce qui t'a permis de... prendre le goût, ouais. Puis j'écrivais, je vais essayer d'écrire un film d'horreur. Bon, maintenant, je vais essayer d'écrire un film d'action. Bon, maintenant, je vais essayer d'écrire une comédie. Voilà, je tentais un peu des trucs. Et puis un jour, en fait, moi, j'ai commencé à monter des spectacles qui étaient des adaptations de classiques, d'abord. Mm-hmm. Et malgré tout, il fallait bien adapter. Donc, il fallait écrire aussi. Et puis jusqu'au jour où j'ai monté mon premier spectacle, Le Porteur d'Histoire, et là ça a été juste de l'écriture pure en quelque sorte, enfin, avec de l'impro, avec les comédiens, enfin, plein de méthodes, mais au final quelque chose qui sortait ex nihilo quoi. Et à partir de là, je me suis rendu compte que ça pouvait intéresser des gens, et donc ça m'a encouragé à continuer dans ce sens-là quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont pour toi les grandes différences de l'écriture pour le cinéma et pour le théâtre ? Justement, je pense que ce qui fait la particularité de mes pièces, c'est qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. C'est très empreint de l'écriture scénaristique. Je dirais que, en fait, si on prend les choses, historiquement, quand on vous prend des pièces qui datent un peu, le théâtre, il est induit par ses contraintes. L'écriture théâtrale, elle est induite par les contraintes théâtrales. Donc, grosso modo, au théâtre, on avait tendance en tout cas à écrire acte par acte. Pourquoi ? Parce que c'était la durée approximative des chandelles qui éclairaient la scène. Ouais, d'accord. Hein, donc, d'où la naissance des actes, parce que ça y est, ça fait 20 minutes, il faut changer les chandelles, etc. On fait une pause et on repart. C'est évidemment plus le cas, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir cette écriture d'acte par acte.
les décors aussi, c'est quelque chose qui a induit une écriture. On a tendance à se dire, bah, au théâtre, il faut changer un décor, ça prend du temps, donc on peut pas non plus changer des décors 150 fois. Alors qu'au cinéma, on n'a pas du tout cette contrainte-là, puisque, évidemment, bah, ça peut être des courtes scènes, et donc changer des décors. Moi, je me suis un peu affranchi de ça, dans ma première pièce, Le Porteur, justement, au contraire, en faisant des scènes plutôt courtes et des changements de décors permanents. Ce qui entraîne un concept de mise en scène épuré où on peut facilement changer d'un décor à l'autre que j'ai conservé de pièce en pièce. Donc j'ai pas été, on va dire, bloqué ou contraint par les contraintes classiques d'une pièce de théâtre. D'accord. Là où quelqu'un serait tenté de se dire bon bah je vais écrire pour le théâtre, donc il faut que je fasse un truc avec un seul décor et il faut que ce soit plutôt une comédie, je vais avoir 5 acteurs donc je vais devoir faire 5 personnages. Pour que ce soit plus simple, je vais prendre le canapé de ma tante et des chaises et tout ça. Et du coup, en fait, ça, c'est un frein à l'imagination. C'est un frein à l'imaginaire ou à l'inventivité. Au contraire, moi, c'est pas ça. Quand je me dis je vais faire une pièce, je me dis pas bon, bah, je vais faire une pièce, donc il me faut un canapé, quoi. Je me dis bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de raconter et comment je peux le raconter de la manière la plus riche et originale possible. Et après, le metteur en scène que je suis aussi, va se retrouver face à ses contraintes et va devoir s'y adapter et trouver des astuces pour raconter cette histoire. Donc il n'y a pas une énorme différence entre L'écriture de... En revanche, au cinéma, il y a évidemment des choses qu'on ne peut pas avoir au théâtre, les gros plans, la musique, les effets spéciaux. Quoique les effets spéciaux, on peut les inventer au théâtre, mais Et tu notes d'ailleurs toutes tes idées de mise en scène quand tu écris le scénario, c'est-à-dire que justement, par exemple, gros plan, non, tu notes pas, tu te laisses... Ça, c'est un travail que tu fais à part, dehors du scénario. Ouais. La mise en scène vient vraiment après. D'accord. Vraiment, je me pose uniquement la question de comment est-ce que ça peut être l'histoire la plus efficace possible, quoi. J'ai souvent des idées dont je ne sais pas encore si ça va être un film, un roman ou une pièce. Et parfois, ça devient l'autre alors que je pensais que ce serait l'un. Ouais, d'accord. Par exemple, Edmond, c'était un film vraiment mordicus et finalement ça a été une pièce en premier. Le Porteur d'Histoire, je savais vraiment pas ce que ça devait être. Je pensais plutôt à un film ou à un roman et finalement c'est devenu une pièce en premier. Je vais sortir un roman en septembre prochain, un roman d'aventure qui était une série dans ma tête à la base et que j'ai concevé comme une série. Et puis quand je me suis rendu compte de l'ampleur du truc et que je me suis dit non mais ça va être trop compliqué à monter en série, en revanche ça peut faire un roman. Voilà. Donc c'est d'abord l'histoire, tout est au service de l'histoire en fait. Tu as écrit et réalisé 3 courts-métrages avant de te lancer dans la réalisation de Edmond. Et c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise sur ces premières expériences de réalisateur? Est-ce que tu considères que justement la mise en scène c'est une façon de réécrire le scénario? Ou pas? Oui et non. J'ai appris 10 000 trucs déjà en faisant des courts-métrages. C'était génial de pouvoir faire ça et de pouvoir faire des courts-métrages produits en plus avec vraiment une équipe en béton. J'ai appris surtout l'importance, j'ai appris beaucoup en tant que réalisateur, donc l'importance de bien s'entourer, d'avoir une équipe, de bien préparer, de tout, et puis comment filmer, et puis la liberté qu'on peut avoir, et puis d'aller chercher les plans qu'on veut, et puis d'aller en demander plus, et puis de... Voilà, enfin, j'ai appris 10 000 choses. Mais le rapport au scénario, je me suis pas beaucoup éloigné du scénario, mais en revanche, moi, la chance que j'ai, c'est d'écrire et de mettre en scène. Écris, ouais. Donc effectivement, je me rends bien compte à la phase mise en scène ou réalisation que s'il y a un problème d'écriture, je peux le changer, quoi. Il n'y a pas de problème d'ego entre l'auteur et le metteur en scène. Mais il y a forcément une évolution entre l'écriture du scénario et l'application après concrète au moment du tournage, on s'adapte. Bien sûr, parce qu'on arrive dans un décor et on se dit c'est peut-être pas forcément exactement ce que j'avais imaginé, mais il est là, faut que je tourne, allons-y. Adaptons-nous. Ouais. Et alors, on parle souvent de la nécessité d'avoir un mentor pour, on va dire, entrer dans ce métier. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que, par exemple, toi, il y a eu quelqu'un qui a fait office de mentor, qui t'a mis le pied à l'étrier? Est-ce que tu considères que c'est déterminant pour réussir? Pas vraiment. Moi, je suis plutôt autodidacte. En tout cas, en termes d'écriture, j'ai pas eu de mentor, réellement. En termes de mise en scène, moi, j'ai découvert vraiment ce qu'était la mise en scène avec Irina Brooke. Quand j'étais comédien, à 18 ans, j'ai fait un Roméo et Juliette avec elle. Ouais. Et j'ai vraiment découvert la liberté qu'on pouvait avoir dans la mise en scène. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je me suis dit, c'est génial la mise en scène. Mais dans l'écriture, moi, j'écrivais depuis que j'ai 13 ans. J'écris, et je fais lire à tout le monde. Et puis,
mais j'avais pas une personne qui, en qui j'avais foi. En revanche, j'ai plein de modèles. Ouais. Hein, j'ai plein de gens que je connais pas du tout, mais dont je m'inspire pour écrire. Mais comment tu réussis, j'ai envie de dire, à trouver la confiance pour continuer, pour voilà, avoir confiance en ce que tu fais, le proposer. Est-ce que tes proches, par exemple, jouent un rôle important pour ça? Est-ce que tu te réfères beaucoup à ton entourage? Est-ce que tu as besoin du soutien, voilà, de ta famille ou de... Je vais te raconter une histoire. Quand j'étais ado, j'écrivais et je faisais lire un peu à mon entourage mes nouvelles, mes romans, mes trucs. Bon, voilà. Mes amis proches, ils disaient « Ah ouais, c'est cool !» Donc, c'était encourageant. Parce qu'ils sont... C'était mes potes. Certaines personnes à qui je faisais lire disaient « Ouais, c'est pas mal. » D'autres disaient « Ouais, c'est pas mon truc. » Mes parents parfois disaient, mon père à qui je faisais disait oui c'est pas ouf non plus quoi. Donc j'avais pas cette espèce de truc de gens qui me disent mais t'es un génie, il faut le publier, alors que moi j'étais persuadé de l'être parce que j'avais beaucoup d'ego déjà. Et puis j'ai continué à écrire pour le plaisir en fait. Un jour j'ai monté mon premier spectacle qui était Le mariage de Figaro. Et que j'avais pas écrit hein, mais que j'avais fait des coupes etc. Enfin c'est ma première œuvre, ma première création quoi. Et on était tout jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, un truc comme ça, et on l'a joué la première fois dans un centre d'animation à La Jonquière, on a fait venir plein de gens, les amis, la famille, tout ça, qui ont payé leur place, tout ça, on a joué 4 fois, quoi. On a joué, ça a été un succès, les gens étaient très contents, gros applaudissements, ça riait beaucoup, etc., et moi j'étais très content aussi, mais je me disais c'est les amis, c'est la famille. Et ensuite on l'a amené à Avignon, au festival d'Avignon, dans le off, et on a tracté comme des malades tout ça, et à la première on avait fait une place achetée, une place offerte, donc la salle était pleine et on a commencé à jouer et on a eu les mêmes réactions qu'avec les amis et la famille, et je me suis dit ça y est, ça c'est des gens qui sont neutres, donc qui n'ont aucun intérêt à être sympas ou quoi aux caisses, donc ils jugent le travail objectivement là, donc si ça marche avec eux, en fait je n'ai plus besoin des retours des gens que je connais. Et oui. Parce que là, en fait, j'ai un retour direct de gens qui sont neutres. Et j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. C'est-à-dire que concrètement, il y a des gens évidemment en qui j'ai confiance, plus que d'autres. Il y a des gens qui sont capables de mes amis proches, mes producteurs, des amis scénaristes, tout d'être ça. Sincère. Ouais, ils vont me donner un retour intéressant et constructif. Mais concrètement, le meilleur retour possible, ce sera celui du public. Ce sera une fois qu'on est confronté, on saura, en fait. Et puis, d'une œuvre à l'autre, d'une création à l'autre, on adaptera et on tirera un peu les leçons de ce qu'on a appris à l'expérience précédente, quoi. Est-ce que tu as déjà écrit une commande ? À chaque fois que je me suis retrouvé à écrire une commande, j'ai fini par arrêter parce que ça me plaisait pas. Pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'avoir la liberté d'écrire que ce qui m'intéresse, en fait. Et je pense vraiment que, d'expérience, tous les projets... qui se sont réalisés ou qui sont allés au bout de leur truc, qui sont nés dans ma tête et qui ont fini par voir le jour, c'est des projets auxquels je croyais viscéralement, et je savais pourquoi je racontais cette histoire. Je savais ce qui m'émeuvait dans ce projet, je savais pourquoi je voulais aller au bout. En revanche, quand c'est quelque chose qui parfois me touche pas particulièrement, j'arrive pas à connecter en fait. Oui, je peux écrire du début à la fin, mais au final... T'inspirer forcément. Non seulement ça va pas m'inspirer, mais en plus, une fois que ça va sortir, ce sera peut-être pas moi, et ce sera peut-être pas terrible, en fait. Et pourtant, ça viendra de ce que j'ai écrit, donc je devrais en assumer les conséquences, quoi. Et c'est un luxe, hein, c'est-à-dire que pouvoir ne pas écrire sur commande, c'est génial. C'est une chance énorme. Après, ça veut pas dire que. Je l'ai fait sur Kabul Kitchen où on a bossé sur des épisodes, mais c'était plutôt avec Benjamin Belcourt, mon coproducteur. Ouais. Mais. Justement, Benjamin Belcourt, donc, tu as une relation assez proche avec lui. Est-ce qu'il a joué vraiment un rôle déterminant dans ton parcours créatif, Complètement. Il était là au bon moment, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a proposé la bonne chose au bon moment. Là où moi, je vais tout le temps être en train d'avoir des idées et de vouloir faire des projets, lui, à plusieurs moments déterminants, il m'a dit « Est-ce que tu viendrais pas me faire quelque chose là maintenant ?» Et ça met en confiance, en fait. Au moment du porteur d'histoire, mais même déjà avant, il m'avait dit « Bon, voilà, j'ai un festival, est-ce que tu veux pas venir monter un Carmen avec... »
avec Julie Zenati, sa femme. Mmh. Ok, d'accord, bon, bah, je vais l'essayer, je vais le faire. Et puis plus tard, il m'a dit, ah bah j'ai un festival, là tu veux pas me monter un truc pour dans un mois? Ah bah oui, d'accord, je veux monter un truc, et c'était le porteur d'histoire. En fait, il va chercher plus loin que moi ce que je vais proposer, et puis et ça se nourrit très bien, quoi. Il va penser à des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Il va me dire, ah bah tiens, tu sais quoi, on va reprendre cette pièce-là et on va l'amener dans ce théâtre-là. Je dis, ah bon, t'es sûr? Mais non, c'est beaucoup trop ambitieux. Et finalement, parfois, ça peut marcher. Et inversement, bah, moi aussi, je vais lui dire, allez, je pense que là, il faut que tu fasses ça maintenant. Ouais, parce que dans ce premier film, Edmond, qui est quand même un projet ambitieux, on pourrait penser que voilà, c'est quand même un film qui intervient assez tôt, on va dire, dans ta carrière. Mm-hmm. Tu pourrais être voilà, assez angoissé ou avoir des doutes là-dessus. Comment tu fais justement pour... Enfin, comment tu as eu cette confiance? Est-ce que justement Benjamin Bellecour il a joué ce rôle-là pour... Je pense vraiment que la confiance, elle vient du public. C'est-à-dire que concrètement, là, et je me dis la même chose chaque fois, que si je fais une pièce et que ça marche pas, ben, ma confiance va être ébréchée. Tout simplement, en fait. C'est-à-dire que si la pièce a fonctionné, qu'on est rentré dans nos frais, et qu'il y a des gens qui l'ont vue et que globalement, ils l'ont aimée, eh ben, je vais garder du capital de confiance. C'est quand je me retrouve confronté à un échec que je vais perdre en confiance. Alors, dans ton film, il y a un moment donné, une scène où il y a une réplique où un personnage dit à Edmond « Mais t'es complètement dérangé » et il lui répond « Bah, bien sûr, je suis auteur. » Est-ce que tu veux dire par là qu'il faut être un peu fou pour être scénariste, pour être auteur? Est-ce qu'il y a une part de folie? Bah, un peu, ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est là et puis qui imagine des choses, quoi. Et puis qui les met sur papier. Enfin, c'est... Ouais, faut être un peu fou pour être créatif. Faut être un petit peu fou. Un peu, je pense. Ouais. Hein. Enfin, après, c'est une boutade, hein. On va pas. Oui, oui, oui. Philosophie, on peut discuter longtemps de qu'est-ce que c'est la folie et qu'est-ce que c'est la norme et qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui l'est pas, quoi. Mais oui, c'est un peu fou parce que c'est quelqu'un qui dit bon bah en fait je vais vivre de mon art, quoi. Je vais ce que j'ai à dire va intéresser des gens. Déjà, il faut avoir un ego énorme. Enfin bon, voilà, pour créer. Mais voilà, mais ça aide peut-être à trouver des idées aussi, d'être un peu fou, d'être peut-être être un peu en marge alors. Il faut être un peu en marge de la société pour être inspiré. Ouais, et puis pour être capable d'en capter ce qui fait quelque chose d'essentiel. D'arriver à comprendre qu'est-ce qui va intéresser les gens, quelle histoire va les toucher et comment faire pour la raconter, quoi. Et alors là, justement, on va aborder la phase de tout ton processus d'écriture. Ouais. Et donc, qui est en lien avec ton film, hein, puisque ton film raconte quand même l'histoire d'un auteur qui essaye de trouver, de chercher l'inspiration. Mmh. Et bah, donc, j'ai envie de te demander, comment tu trouves, toi, tes idées pour créer tes pièces de théâtre ou même d'écrire ton scénario? En fait, comment tu trouves l'inspiration? À quel moment de la journée? Est-ce que c'est, par exemple... je sais pas, quand tu fais une sieste ou plutôt quand tu dors, ou alors est-ce que tu te mets face à ton bureau et tu en démords pas et t'es devant ton ordinateur et si c'est voilà, il faut que ça vienne. Comment tu trouves l'inspiration? En fait, l'inspiration, ça a jamais été enfin je me suis jamais retrouvé face au syndrome de la page blanche. D'accord. J'ai jamais eu un truc de mon dieu je sais pas quoi créer maintenant. Non, j'ai toujours eu au contraire plein d'idées, hein, qui me viennent un peu dans la vie, quoi. Soit parce que je vais lire un truc et que je vais voir quelque chose, je vais dire tiens, ça c'est intéressant. Par exemple, le porteur d'histoire, l'idée c'est parce que j'étais en tournage dans les Vosges, on était dans un petit cimetière de province, et en fait je me baladais entre les tombes du cimetière et puis je regardais et puis je me disais tiens, celle-là elle est très très vieille, ça se trouve quelqu'un aurait pu cacher quelque chose dans cette tombe et qu'on pourrait découvrir, et tiens, comment est-ce que on pourrait trouver ça? Bah, c'est un mec qui viendrait enterrer son père, et en même temps, y a plus de place dans le cimetière, donc on est obligé de déterrer une tombe, donc on prend la plus vieille, et là, le cercueil tombe, et qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Qu'est-ce qu'on trouve dans le cercueil? Et hop, c'est le début de l'imagination. C'est le début, ouais. Et après, ça se développe pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, par exemple. Ouais. Mais ça peut être aussi quelque chose où on va raconter quelque chose qui est arrivé, je vais dire, ah tiens, c'est pas mal ça, et c'est le début, c'est le germe. Où je vais lire sur internet un truc et je vais dire ah c'est génial, il faudrait développer une histoire autour de ça, quoi. Il y a un potentiel. Voilà, toutes ces petites germes en fait, c'est comme des petits trucs que je garde et que je mets dans un mini tiroir et ensuite je les arrose et petit à petit ça devient quelque chose. Alors j'ai toujours dans ma tête, dans mon armoire mentale, voilà, des tiroirs différents dans lesquels il y a des histoires qui en sont à des processus différents. Et finalement, ça devient quelque chose de construit. Et quand c'est construit, je me dis, bon, ça y est, maintenant, il est temps d'en faire quelque chose. Et alors justement, quand il te vient toutes ces idées,
Comment tu écris concrètement après? Enfin, est-ce que tu passes par toutes les phases, on va dire, classiques de l'écriture de scénario, à savoir voilà, le pitch, le synopsis, le séquencier, ensuite la continuité dialoguée, ou est-ce que tu sautes des étapes ou, voilà. Ouais, si je suis tout seul, je vais sauter des étapes. D'accord. Grosso modo, je vais. Enfin, bon, après, il faut pas faire ça. Si, enfin, chacun sa méthode. Ah non, mais moi, autant de méthodes que de scénaristes. Bah, en général, je vais essayer de construire mon histoire. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'avoir la fin, de savoir pourquoi je raconte ça, d'avoir le début, d'avoir un synopsis, quoi. On va dire synopsis plus ou moins détaillé. Et quand je considère que j'ai un synopsis suffisamment détaillé, en général, je vais me lancer dans une V1, je pense. D'accord. Voilà. Et est-ce que les dialogues m'aident à construire la scène aussi. Ouais. Parfois, tu écris pour... d'abord par exemple les dialogues avant de te lancer dans vraiment. Non, j'écris tout quoi. Ouais. Enfin, j'écris voilà, une fois que j'ai mon histoire à peu près, bah, je commence scène 1 et puis je commence à écrire et je vais au bout de ma V1. Et une fois que je suis au bout de ma V1, bah voilà, j'ai un monstre qu'il va falloir soit couper, soit nourrir, soit changer, soit changer des séquences, soit machin, mais au moins j'ai un truc avec lequel je peux jouer, quoi. Est-ce que par exemple tu t'imposes un nombre de pages à écrire par jour quand tu te lances vraiment, ça y est, dans l'écriture d'une V1 par exemple? Non, parce que si je suis porté par le projet, je vais écrire, quoi. Si je suis porté, l'écriture va pas être difficile. Quand, là, mon roman, ce qui était le truc, je pense, le plus dur et le plus long que j'ai dû écrire, qui est assez long, qui fait 400-500 pages, j'avais vraiment cette espèce de truc de bon, allez, je m'y colle, allez, j'écris au moins une page aujourd'hui, quoi. Et puis après, si l'inspiration vient, ça vient, quoi. Mais j'ai pas ce truc. Quand j'étais petit, je faisais ça. Et j'écrivais jusqu'à avoir écrit 10 000 caractères. Bon, c'est plus un exercice qu'autre chose, hein. Après, quand on grandit, on change un peu. Mais j'avais beaucoup de temps libre aussi. Et alors, justement, par exemple, combien de temps tu mets pour écrire une V1 quand tu as l'idée, hein, quand tu as l'idée initiale, de l'idée initiale que tu as eue jusqu'à la V1? Voilà. Alors, vraiment, de l'idée, du germe de l'idée jusqu'au début de l'écriture, ça, c'est un processus qui peut durer entre une semaine et 10 ans, quoi. Ouais. Vraiment, je peux avoir eu une idée depuis super longtemps, mais me dire un jour peut-être je l'écrirai, mais il me manque encore des trucs, quoi. En revanche, à partir du moment où je commence à écrire, en général ça va vite. C'est-à-dire que ça peut mettre 2 semaines pour écrire un scénario, quoi. Une D'accord. V1 en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Parce que une fois que je sais où je vais, j'y vais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, le processus de maturation, il peut être super long. Et ce processus-là, donc par exemple, quand je me retrouve à avoir une histoire dont j'ai pas. Il me manque des bouts, on va dire. Je me dis, bon, je sais pas comment je connecte ça à ça. Il manque quelque chose. Là, c'est comment nourrir l'imagination. Ça, c'est le plus difficile, en fait. Parce que nourrir l'imagination, bah, comment on fait, quoi? Alors là, pour le coup, c'est pas. Je suis pas devant. Je vais marcher en général. Je vais marcher et puis je vais y repenser et puis je vais avoir des idées, des dialogues, machin. Ou alors la nuit, juste avant de dormir, dans le noir, on y repense, puis ah tiens, puis il commence à y avoir des trucs qui naissent. Et pour pas les oublier, tu notes? En général, une fois qu'on l'a eu, ça va, quoi. Ouais. Sinon, vraiment, on note. Mais... Et par contre, l'écriture brute, pour moi, c'est le matin. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ça, quoi. Ouais. Ouais. Comme Stephen King, quoi. Ouais, juste, moi, à 17h, j'ai pas le courage de me mettre face à l'ordi et de commencer à écrire un truc. Ouais. J'ai la journée derrière moi, j'ai l'esprit embrumé. Le matin, je me lève, je suis prêt à attaquer la journée. Je peux ouvrir mon ordi et commencer, quoi. Et alors, pour structurer tes histoires, est-ce que, par exemple, tu utilises un writing board, comme un immense tableau avec des post-it un peu partout, ou alors, est-ce que tu fais comme ton personnage d'Edmond, tu structures par acte? Comment non, tu procèdes pour bien structurer? Ni par acte, ni writing board. En général, il me faut la fin. Le premier truc qui faut, c'est la fin. Ouais. Ouais, parce que la fin, c'est ce qui justifie tout ce que je vais faire. Hein, c'est-à-dire que je vais écrire pour ça, pour cette fin. Pour arriver à... Voilà, ouais. Ça, c'est ce qui m'explique pourquoi je veux raconter cette histoire. Et ensuite, ce que je fais, avant de faire des... je vais pas des post-it, tout ça, mais je vais écrire, ça va mûrir un peu dans ma tête, puis ensuite je vais écrire un petit synopsis à l'iPhone, hein, sur mes notes, quoi. Et puis petit à petit, ce petit synopsis, je vais l'étoffer un peu. Mmh. Hein. Et ensuite, je vais raconter l'histoire. D'accord. C'est-à-dire que vraiment, à mes potes, à des gens avec qui je bouge, je dis bon, est-ce que je peux te raconter une histoire? Ah oui, oui, pour avoir un petit peu un juste premier retour. Pour voir, même pas forcément un retour, mais le premier retour, c'est la réaction de la personne en face quand on lui raconte une histoire. C'est-à-dire que moi, quand je suis capable de raconter une histoire, je vois si en face, il a envie de savoir la suite. Ouais. Ou je le vois moi-même en l'exprimant, si
si ça tient. Il manque un truc. Ouais, ouais. Ah là, je vois que je sais pas trop pourquoi je vais là. Ça, c'est limpide, ça saute aux yeux, quoi. Donc voilà, j'ai un pitch, je vais commencer à le raconter à mon pote et je vais dire voilà, et là il se passe ça, et là il se passe ça, et là j'en suis là. Et je vais voir si en face j'ai et voilà, et si c'est fluide, c'est que l'histoire elle tient la route. Et s'il manque des choses, et ben je sais sur quoi je dois travailler, quoi. Et alors justement, tes personnages, comment tu développes tes personnages? Est-ce que tu leur fais des biographies? Est-ce que tu leur inventes un passé pour un petit peu savoir ça dépend pour les connaître, quoi. Ça dépend de l'importance du personnage. Ouais, oui. Hein, si c'est des héros, je vais forcément réfléchir à d'où il vient, quel âge il a, tout ça, ouais. C'est quoi son passé. Mais donc tu passes par une phase d'écriture ou alors c'est où tu gardes ça un petit peu dans ta tête? Encore une fois, ça dépend du personnage. Ça dépend du personnage, ça dépend aussi si c'est une pièce, un roman, un truc, ça dépend de tout ça, quoi. Ou alors est-ce que tu écris des dialogues pour un peu sentir tes personnages? Non. Qui ils sont... Non, leur caractère est plutôt évident au début, j'ai l'impression, pense. En tout cas de mes héros, et puis après au fur et à mesure les gens qui croisent vont avoir des caractères qui correspondent aussi à la scène, quoi. C'est un plus un truc organique en fait. Les rôles principaux, par exemple si on prend Edmond, je savais qu'il allait devoir c'est mon personnage principal, donc on doit l'aimer, donc on doit être dans l'empathie avec lui. Ça doit être quelqu'un qui essaye, qui a vraiment envie d'y arriver, parce que c'est ça qu'on aime, on aime les gens qui ont envie d'y arriver à la force du travail, etc. C'est quelqu'un qui est un peu désuet avec ses verveines, il boit de la verveine, il boit pas d'alcool, je lui ai donné un petit côté un petit peu désuet. Il aime vraiment sa femme, il a deux enfants, etc. Il est un peu dépassé par tout ça, donc on a envie qu'il s'en sorte. Ça, c'est de base. Coquelin et Monsieur Honoré, qui sont les deux personnages de la pièce qui vont l'aider, sont les deux figures paternelles de la pièce, en fait. Sarah Bernard, c'est la figure maternelle, on va dire. Et puis à côté de ça, il y a toute une galaxie de personnages que je vais inventer et qui doivent composer cette espèce de. Oui, c'est ça. C'est que dans le film, il y a quand même une multitude de personnages, ouais. Pas qu'ils se ressemblent. Non, bien sûr. Donc à chaque fois, il faut que je trouve qui va avoir quel rôle. Et une fois que je commence à définir, lui, il va avoir ce type d'humour-là. Par exemple, Léo, le personnage qui va jouer Christian, c'est un beau mec, il a du charme, et donc il a un esprit plutôt confiant, quoi. Donc il est un peu, pas arrogant, mais il est un peu sûr de lui. Donc les vannes qu'il fait ne sont pas les mêmes que les vannes que vont faire les Corses, qui eux sont des mafieux un peu bourrus, que les vannes que va faire Sarah Bernard. Que Maria Legault. Maria Legault qui elle charge la mule aussi, donc c'est une diva, ouais. Insupportable. Donc aussi leur place va se faire au fur et à mesure dans cette galaxie, quoi. Mais c'est ça qui est assez impressionnant quand on voit le film, c'est que donc il y a tous ces personnages et je trouve que tu arrives à vraiment bien leur donner à tous, on va dire, une sorte d'arc narratif. Ils ont tous une bonne fonction bien déterminée. Et j'ai envie de te demander un peu comment tu fais pour rendre tout ça fluide qu'aucun personnage ne soit un petit peu à un moment donné. C'était le gros challenge d'Edmond. Ouais. C'était d'arriver à faire en sorte que tout le monde ait son arche narrative fermée, quoi. Voilà, c'est ça. Comment je fais? C'était ça qui était le plus compliqué dans Edmond, en fait. En fait, il y avait deux choses à faire. Il y avait plusieurs challenges. Par rapport à mes autres pièces comme Le Porteur ou Le Cercle ou Intramuros, l'avantage c'est qu'il n'y avait pas de rupture de temporalité. Que ce soit Le Porteur, Le Cercle ou Intra, c'est que des pièces qui vont dans le passé, qui vont dans le futur, qui reviennent, qui changent, et donc du coup ça c'est une structure à arriver à mettre en place pour qu'on ne soit pas perdu. Dans Edmond, il n'y a pas ça, c'est une pièce linéaire, c'est une histoire linéaire, on commence un mois avant, on termine un mois après, enfin on a un prologue deux ans avant, mais voilà, globalement c'est linéaire. En revanche, grosse difficulté à faire, c'était d'arriver. Parce qu'on raconte la naissance de cette pièce, la création de cette pièce. Donc il faut raconter quelqu'un qui trouve acte par acte son inspiration. Donc je ne peux pas commencer par dire la première chose qu'il trouve, c'est la fin. Sinon, ça va perdre le public. Il faut qu'au fur et à mesure, il trouve... Il faut que la progression de l'histoire soit parallèle à l'invention de la pièce. Faut qu'on ait la pièce, faut qu'on entende des choses de la pièce et qu'on découvre la pièce qui se monte sans pour autant qu'on fasse que Cyrano, parce que c'est l'histoire d'Edmond. Et en plus de ça, il faut arriver à intégrer l'esprit de Cyrano dans Edmond. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on en sorte en ayant l'impression d'avoir ressenti l'esprit de Cyrano de Bergerac. Donc ça, tout ça, c'est des challenges. Et donc, en plus de ça, il y a effectivement cette galerie de personnages qui, au fur et à mesure, chacun va avoir
son parcours et puis il va falloir le fermer. Et puis après ça change au fur et à mesure quoi. Il y a eu des personnages qui avaient d'autres axes et puis finalement ça, je me suis dit non, ça marche pas pour eux, je vais plutôt donner à un tel. Les tons se trouvent, de version en version, ça devient de plus en plus drôle, de plus en plus efficace. Et est-ce que justement il y a des personnages qui sont rajoutés de version en version, ou alors ouais, des personnages que tu as enlevés Il y en a eu, il y en a eu. Les frères Corse, ils n'étaient pas forcément frères, il y en avait un, puis un et son garde du corps, puis deux frères, puis machin. Il y avait. Ça évolue quoi. Constant Coquelin, donc qui est joué par Olivier Gourmet dans le film, à un moment il n'arrivait pas à jouer, donc il jouait mal parce qu'il était préoccupé, parce qu'en fait il était amoureux lui aussi de quelqu'un, etc. Mais bon, ça compliquait un peu les choses. Donc finalement c'est son fils qui a mal joué quoi. Il y a plein de trucs et les rôles féminins, Jeanne et Rosemonde notamment. Je me suis rendu compte en fait en adaptant le scénario au théâtre, qu'on perdait un peu le triangle amoureux qui était le plus important de cette histoire. Et donc je leur ai rajouté à chacune une scène un peu plus longue la scène où Rosemonde trouve les lettres d'Edmond, et pour Jeanne la scène où elle va le coincer dans la loge et ils ont cette discussion sur le désir, sur l'amour, etc. Ouais. Et parce que je me disais il manque quelque chose là, il faut qu'elles aient de la matière, c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est de les entendre parler de ça. Moi j'ai un truc où je suis un obsédé du rythme, donc il faut tout le temps que ça aille vite, il faut tout le temps que chaque scène soit la plus efficace possible. Si je sens qu'il y a du gras, je m'ennuie. Ouais. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est que parfois, je me dis mince, j'ai pas assez abordé, je les ai pas fait assez discuter, j'ai pas abordé le fond du fond. Ouais. Parce que justement, ce rythme, ça doit servir à ça. Ce rythme doit servir à amener dans une course folle nos protagonistes jusqu'au point où ils se confrontent et ils ont vraiment une discussion sur de quoi ça parle. Et en fait, ces deux scènes, entre Rosemonde qui trouve les lettres d'Edmond et qui lui dit qu'est-ce que je suis pour toi, moi, on en est où nous ? Et Jeanne, la petite habilleuse qui le confronte dans la loge et qui lui dit ça y est en fait, je sais que c'est vous donc je vous aime, et lui qui lui dit non, on peut pas s'aimer en fait, moi j'ai besoin de vous juste pour écrire ma pièce, et bien ces deux scènes en fait c'est tout le film, c'est-à-dire que c'est pourquoi est-ce que ce film existe, qu'est-ce qu'on raconte, on raconte ça, on raconte ces deux scènes où il y a deux personnages qui se parlent dans une loge où ils disent en fait c'est quoi l'amour, l'amour c'est il y a l'amour et puis il y a le désir et puis il y a la création et puis tout ça s'entremêle et puis en fait c'est compliqué, mais ça accouche de chefs-d'œuvre. Ça accouche de chefs-d'œuvre parfois. Voilà. Et alors, pour ce scénario d'Edmond, on dit souvent que l'écriture, c'est de la réécriture. T'as écrit combien de versions ? Oh, beaucoup, beaucoup. Mais non, beaucoup. Je sais pas. C'est quoi, 18 ? Non, peut-être pas. Non, j'ai dû écrire. Mais après, je l'ai porté vraiment très longtemps avec moi. Ouais. Mais j'ai dû écrire, je sais pas, 5, 6 versions, 6, 7, une dizaine de versions peut-être du scénario avant de passer à la pièce. D'accord. Ensuite, du scénario à la pièce, j'ai réécrit, une version à laquelle je continue à faire des modifications. Et ensuite, quand je suis passé de la pièce au scénario, j'ai dû écrire, 3-4 versions, quoi. 5 versions peut-être. Et c'est difficile à quantifier parce que si tu changes trois phrases et que tu dis c'est une nouvelle version. Oui, d'accord. En tout cas, j'ai réécrit beaucoup. Alors, tu vois, le personnage d'Edmond, lui, il s'en sort dans son écriture, on va dire, parce qu'il a une deadline à un moment donné. Mmh. Il y a une pression. Il doit écrire cette pièce, il doit faire vite alors qu'il sort d'une panne d'un peu d'inspiration pendant 2 ans, il végète un peu et puis tout d'un coup il y a cette pression. Est-ce que toi tu considères que justement pour un auteur c'est bien d'avoir une pression, d'avoir une deadline, un délai? Est-ce que justement ça c'est comme un moteur qui te pousse à bien écrire ou à écrire? En tout cas dans l'histoire d'Edmond, c'est bien pour l'histoire, parce qu'un personnage qui n'a pas de deadline et qui n'a pas de pression, on s'en fout en fait. Oui, il n'y aurait pas d'enjeu. Non, nous, on ne serait pas en train de se dire « Allez, vas-y, écris. » Ouais. Dans la vie, moi, je trouve ça bien d'avoir une deadline. Ouais. Même lointaine. C'est-à-dire qu'au théâtre, parfois, on dit je vais monter ma pièce et ce sera pour dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Mais au moins, on sait que dans 2 ans, il y aura cette pièce. Et ça, ça me permet de... ça me permet de voir un calendrier de travail qui va... J'aurai une vision plus claire des choses. En revanche, mon roman, j'avais pas le temps de l'écrire et donc tous les 6 mois, mon éditeur m'appelait en me disant « Alors, t'as avancé ?» Je disais « Non, j'ai pas pu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, désolé quoi. »
Et donc, c'était moi-même qui devais me dire, allez, allez, il faut que je termine ce truc, quoi. Mais ça a duré 3 ans, quoi, cette phase. Donc, effectivement, c'est pas mal d'avoir une... D'avoir une petite pression. Bah ouais, parce que du coup, on se dit, bon, bah allez, je termine ça. En fait, on sait, quand on est créateur, quand on écrit, c'est nous, et quand on a la chance de ne pas faire de projet de commande, c'est nous qui décidons de quel va être le prochain projet, quel va être le prochain projet à voir le jour. En tout cas, si on arrive à convaincre les gens de nous filer des financements. Mais du coup, vers quel projet mettre son énergie quand on a plusieurs projets dans la tête? Lequel choisir alors qu'on les aime tous autant? Alors que quand on se dit, bon allez, j'en prends un et je le fais, et ensuite je réfléchirai au suivant, bah au moins on va jusqu'au bout de son truc. J'avais vu une masterclass d'un grand scénariste américain de série. Son prof, la personne qui l'interviewait, il disait alors comment ça s'est passé, comment vous avez commencé. Il disait bah c'est très simple, j'ai fait une école de scénariste aux États-Unis et je suis le seul qui a fini son scénario de fin d'études. Voilà. Voilà. Et après j'ai continué. Mais oui, mais c'est vrai, parce qu'en fait c'est ça, il faut finir et ensuite en faire un autre et ensuite en faire un autre et ensuite reprendre le premier et continuer. Mais on peut avoir les meilleures idées du monde si on n'arrive pas à aboutir à rien. Si on n'arrive pas à les sortir, personne ne les saura, quoi. Alors maintenant, je voudrais qu'on se concentre, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du film. Le film Edmond, ça raconte donc l'histoire de la création de la pièce Cyrano de Bergerac. On pourrait presque considérer que c'est une sorte de biopic, même si on se concentre sur un aspect bien précis de la vie d'Edmond Rostand. Ouais. Mais est-ce que pour toi, pour faire un biopic, on va dire, intéressant, il faut forcément prendre des libertés avec la vérité historique? Alors déjà, c'est pas un biopic. Vraiment, c'est pas du tout un biopic. Pour moi, un biopic, c'est de la naissance à la mort de quelqu'un, quoi. C'est on raconte toute sa vie, quoi. Quand on prend Coluche, le film de Antoine de Caunes, c'est pas un biopic. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un mauvais titre. Il aurait dû l'appeler Coluche président ou un truc comme ça. Ouais. Parce qu'on raconte l'histoire du moment où il écrit. Si moi j'avais voulu faire un truc vraiment démago, j'aurais appelé ça Edmond écrit Cyrano. Bon, je l'ai appelé Edmond parce que justement, c'est pas Edmond Rostand, c'est pas. C'est le moment où, donc c'est pas du tout ça. Pour faire un biopic, effectivement, il faut plutôt être proche de la réalité. En revanche, quand on n'a pas la prétention de faire ça, quand on ne dit pas qu'on fait un biopic, on peut faire ce qu'on veut, en fait. À partir du moment où, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui est encore vivant qui va dire « non, vous n'avez pas le droit de jouer avec ça ou, ». Oui, bien sûr. À partir du moment où il y a un certain recul historique, au contraire. Et les meilleurs exemples que j'ai, Shakespeare, qui écrit Richard III. Richard III, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, c'est sa version de Richard III, qui écrit toutes ses pièces historiques. Dumas, tous les romans historiques de Dumas, c'est ça. Et puis, Edmond Rostand, quand il écrit Cyrano, le vrai Cyrano, ça n'est pas du tout sa vie qui est racontée dans la pièce d'Edmond Rostand. Donc, de tout temps, les créateurs, ils s'emparent de l'histoire et à partir du moment où ils ne prétendent pas faire un précis historique, à partir du moment où ils admettent que c'est une fiction, ils ont tous les droits, en fait. Oui, voilà, mais moi je pense que justement, je trouve qu'au cinéma, on a tous les droits, puisqu'on est dans la fiction, et même si on s'attarde, on va dire, que sur un moment, un instant T de la vie d'une célébrité ou d'une personnalité, comme par exemple le film sur Steve Jobs, qui raconte trois temporalités différentes de sa vie, il y a des libertés, il y a des libertés prises, ou même par exemple, je prends le film Chaplin. Maintenant, de Richard Steve Jobs, pour moi, il n'y a pas vraiment de recul, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas, il est mort il y a très peu de temps. Et c'est ça pour moi le problème, c'est qu'il faut un certain recul historique pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Moi, la seule fois où j'ai écrit sur un truc contemporain, c'est un court-métrage qui parle des attentats du 13 novembre. Et je voyais bien que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Je voyais la réaction du public. Ils étaient plus atteints par le fait qu'on parle des attentats que par le film lui-même. Pour arriver à avoir ce recul, à pouvoir dire des choses et pouvoir tordre l'histoire, il faut qu'il y ait un minimum de recul. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, hein, bien sûr. Oui. Mais à partir du moment où on s'attaque à quelque chose qui est récent, vivant, machin, on met le doigt dans un engrenage compliqué. Mais tu vois, par exemple, le film Chaplin de Richard Attenborough, il y a par exemple, à un moment donné, une scène où Chaplin, qui est un petit peu l'auteur, le narrateur de sa propre biographie dans le film, il raconte comment lui est venue l'idée du personnage du vagabond. Ouais. Et c'est raconté d'une façon... Un petit peu mystique, on va dire, où en fait il explique que le personnage lui est venu un petit peu comme ça, qu'il a été attiré par ce personnage, et donc bon, c'est pas la vérité, mais Chaplin répond: je préfère raconter de cette façon parce que sinon la réalité elle est tellement ennuyeuse. Et
moi j'ai trouvé qu'avec ton film c'était un petit peu cette approche là c'est-à-dire de magnifier cette histoire, enfin en tout cas les coulisses de l'envers du décor de la création de cette pièce, pour justement rendre encore plus justice au côté, enfin à toute cette pièce qui est devenue voilà, qui est devenue cultissime, qui est devenue l'une des pièces les plus connues du théâtre français. Je sens que, enfin, je sais que pour certaines personnes, ça peut poser peut-être un problème des fois de prendre, voilà, de prendre des chemins de traverse pour raconter une certaine réalité. Mais comme on est au cinéma, comme on dit dans le film L'homme qui tue Liberty Valance, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Et j'ai trouvé que c'était, un petit peu ça. Moi, je suis passionné d'histoire. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est deux choses différentes. Si quelqu'un voit Edmond et se dit ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus, eh ben, il va se renseigner, il va se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé vraiment, il va se rendre compte des libertés que j'ai prises, et c'est aucun problème. Si quelqu'un voit Cyrano de Bergerac, la pièce, tout le monde aime Cyrano de Bergerac, bon, la vie de Cyrano n'est pas la même. Si quelqu'un se renseigne sur la vie de Cyrano, il saura le vrai du faux, mais au fond peu importe en fait. Ce que je veux dire, c'est que on a été au moins sensibilisé à quelque chose où on l'aurait peut-être pas si on avait raconté de façon exacte, fait parfait. Voilà. Exactement. On attire l'attention d'eux. Mais en revanche, c'est pas le fait, c'est pas tant le fait d'en parler au plus grand nombre. C'est juste le fait de pouvoir exprimer la voix d'un auteur. Edmond Rostand, quand il écrit Cyrano, ce qui est formidable, c'est que c'est lui qui l'écrit. C'est que c'est ce qu'il a raconté lui à travers cette histoire. Ouais. C'est pas la vie de Cyrano qui est si passionnante que ça. C'est l'histoire que lui raconte. Et je pense que de la même manière, moi, quand je raconte Edmond, c'est ce que je raconte. Je fais dire à la réalité des choses qui sont des choses que moi, des valeurs que je porte. Propre à toi, bien sûr. Exactement. Il y a toujours une subjectivité. Exactement. Le caractère d'Edmond, c'est le caractère que je veux lui mettre dedans, le caractère de Coquelin, tout ça. En fait, à qui je rends hommage dans tout ça, oui, à Edmond, mais aussi au théâtre en général. On l'a dit avant. Et la meilleure façon de rendre hommage au théâtre, c'est de le rendre ludique, c'est de donner cette folie, c'est d'amener ce rythme. Et alors justement, est-ce que tu peux par exemple me citer un passage de ton film qui, on va dire, transcende un peu la réalité, et en quoi c'est un atout narratif par rapport à la vérité historique ? Il y en a plein, mais par exemple, la base du truc, c'est que Rosemonde, la femme d'Edmond, je lui ai fait un peu du tort, parce que la vraie femme d'Edmond, elle était beaucoup plus présente dans sa vie, elle écrivait, elle était brillante, elle le soutenait. Donc en fait, si on avait raconté vraiment littéralement Edmond Rostand qui écrit Cyrano, bon, déjà il l'a pas écrit en 3 semaines, il l'a écrit en 8 mois, donc et ce serait Edmond à la table avec sa femme à côté, il lui écrit, elle lui dirait ok d'accord, il faut que tu réécrives ça, etc. Et c'est bien, on lui aurait rendu justice, mais il se passe pas grand chose. Alors que moi, ce que je voulais faire, l'histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire d'un homme qui est en panne d'inspiration, et il se passe quelque chose dans sa vie qui va lui rendre l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que ça peut être ? Et bien en fait, comment ça peut être un miroir de Cyrano ? Cyrano, c'est la muse. Cyrano, il a sa muse qui est Roxane, il écrit des choses merveilleuses pour Roxane, et pourtant, malgré tout ça, il ne va jamais dire à Roxane que c'est lui, sauf quand il va mourir. Donc, en fait, il a besoin d'elle pour comme moteur, mais en fait il voudrait pas rentrer dans la réalité du quotidien avec cette femme. Il préfère rester sublime. Moi, il fallait que je le transpose à Edmond. Donc il fallait que Edmond il ait cette muse qui lui passe devant les yeux et qui se dise je vais me servir de cette muse pour faire un chef d'œuvre, et ce chef d'œuvre ce sera Cyrano. Donc il me fallait une muse. Donc cette muse n'a jamais existé dans la vraie vie. Mais là, il me fallait quelqu'un. Et puis, il me fallait aussi un troisième larron pour faire le triangle amoureux entre Edmond, sa muse... Oui, qui est une mise en abîme avec la pièce. Et voilà, et dans la pièce, il y a Christian, qui est le troisième larron. Cyrano, il écrit pour Christian, il se fait passer pour Christian. Donc il fallait que Edmond, il écrive pour quelqu'un. Bon, donc qui ça va être ? Ça va être Léo, qui tient justement, est un acteur et qui va jouer Christian. Donc c'est parfait, le triangle est là. Donc ça me permet quoi ? Ça me permet d'avoir une mise en abîme de Cyrano, ça me permet de mettre les vers de Cyrano dans la bouche d'Edmond, puisque en fait quand il est sous le balcon, il va souffler à son ami les vers que Cyrano va souffler plus tard à Christian. Toute cette triple mise en abîme, elle est pas possible si je fais juste le rapport entre Edmond et sa femme, qui est possible, qui est une histoire possible, mais qui n'est pas aussi excitante et intéressante et riche, et qui ne permet surtout pas de voir d'où vient Cyrano, quoi. C'est pour ça que je disais que, enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai pas de mal à ce qu'on prenne des libertés par rapport à un fait historique, à partir du moment où on ne trahit pas l'esprit, on va dire, l'esprit de la personne qu'on veut raconter.
Et, ça ne me dérange pas de trahir cette, enfin, de trahir cet esprit. C'est-à-dire que Georges Feydeau, par exemple, que j'incarne dans le film, eh ben, c'était pas du tout ce connard. Il n'était pas comme ça, en fait. Il était beaucoup plus sympa dans la vie. Mais j'ai rien fait de Georges Feydeau. Il fallait un petit antagoniste sympa. Exactement. C'est marrant. C'est marrant de faire de Georges Feydeau un salaud. Un mec un peu insupportable tête à claque. Un peu imbuvable. Exactement. Et la plupart des personnages qui sont un peu. Jean Coquelin, qui joue l'acteur, qui joue très 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 mal. Dans la vie, il jouait pas du tout très 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 mal. C'était un bon comédien. Mais. Si j'ai un bon comédien, ça, pas un ressort comique. Ouais, ben bien sûr. Là, on a envie qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pour ça que je parlais de biopic. Et biopic, on peut facilement tomber dans le piège de la page Wikipédia. Scénaristique. Voilà, mais c'est pour ça que je trouve toujours plus intéressant un biopic qui a un angle bien précis, un point de vue mais c'est original. Pas un biopic. Oui, je sais. Mais. Un biopic. Oui, parce que tu te... Parce que je ne parle pas d'Edmond Rostand, de sa naissance, et je ne prétends pas que ce soit un biopic. Un biopic, c'est biographie. C'est pas une biographie d'Edmond Rostand. Ça s'appelle Edmond, c'est une fantaisie réaliste sur le même thème que Cyrano. Cyrano de Bergerac est-il un biopic? Non. C'est pas un biopic, Cyrano. C'est une histoire inventée. Pourtant, c'est un personnage réel. Et ben, c'est la même chose. Oui, comme Shakespeare in Love, qui raconte Shakespeare in Love n'est pas un biopic. Et comme on parle d'un personnage qui a existé, forcément, on pense biopic. Mais en tout cas, Glorious Bastards n'est pas un biopic. Pourtant, on croise des personnages et pourtant, il prend des libertés avec l'histoire. Mais ce n'est pas un biopic. Bien vu. Et alors, je voudrais justement revenir sur le fait que tu as essayé de mettre à l'écran justement l'histoire d'un personnage qui essaye de trouver l'inspiration, qui essaye d'écrire. Et comme tu disais, dans la vraie vie, il a écrit la pièce en plusieurs mois, et là, tu lui as mis une deadline et tout ça. Et avant d'aller voir le film, je me disais comment il va faire pour rendre en fait captivant visuellement une personne qui essaye d'écrire une pièce de théâtre. Parce que c'est pas forcément cinégénique de montrer quelqu'un qui justement écrit, Et ce que j'ai trouvé habile dans le scénario, c'est que j'ai trouvé en fait que le scénario était construit comme un film de braquage. C'est-à-dire avec la constitution d'une équipe pour les comédiens, comme pour un braquage, avec chacun un rôle spécifique. Le délai, il faut vite agir, il y a un temps qui est imparti, etc. Il y a la condition sociale qui pousse le héros à écrire. Est-ce que c'était un angle voulu, intentionnel, ou alors j'ai complètement fumé la moquette? Non, c'est pas mal, c'était pas le braquage, c'est un autre genre de film. Ah, c'est le film de sport. D'accord, le film de sport. La constitution d'une équipe à laquelle personne ne croit. Va perdre, et pourtant, il y croit et ils avancent, et en fait, c'est un peu une équipe de bras cassés, avec l'acteur qui est menacé de pas jouer, celui qui sait pas jouer, les producteurs corses qui savent pas ce qu'ils font, Edmond Rostand, c'est un ringard, c'est une équipe de l'équipe de bras cassés, underdogs, quoi, qui au final vont faire la performance qui vont leur permettre de gagner les championnats, quoi. C'est ce qui se passe avec Edmond, c'est un film de sport, À la fin, c'est le triomphe. Il s'est passé un truc extraordinaire qui se passera plus jamais, et ça s'est passé ce soir-là au théâtre. Et alors justement, la pièce, donc à la fin, c'est un triomphe, on le sait. Comment tu fais pour captiver l'attention du spectateur qui sait forcément que l'issue de cette histoire, ce sera un triomphe? Comment tu fais pour maintenir son attention, en fait? Déjà, le spectateur, il ne sait pas à quel point c'est un triomphe. Et il sait pas, et ce que le spectateur ne sait pas non plus, c'est comment est-ce qu'on vit un triomphe théâtral de l'intérieur. Ça, il sait pas. Il sait pas qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène et qu'on sent la connexion avec le public qui se fait, et qu'on sent que les applaudissements arrivent, et qu'on sent que les gens sont de plus en plus dingues, et qu'il y a cette espèce de communion totale qui, à la fin, explose dans un truc libérateur, orgasmique de triomphe. Ça, le spectateur, il sait pas, il l'a pas vécu. Donc en fait, ce qu'on fait dans Edmond, c'est que on est du point de vue des acteurs, on est du point de vue de la troupe. On n'est pas avec la salle. Ça, il connaît. Ouais. Quand je filme toute cette représentation, je suis jamais du point de vue de la loge du spectateur. Je suis toujours en coulisses, sur scène, etc. Donc tu veux dire que c'est parce que tu as adopté le point de vue de l'auteur et de l'intérieur, qu'on est dans un truc qu'on ne sait pas. Que même si on sait qu'à l'issue de toute cette histoire, ce sera un succès absolu,
on est quand même intrigué de voir comment en fait ça va affecter les personnages. Oui, c'est ça. Et aussi, on sait que c'est un succès, mais on ne sait pas les coulisses, on ne sait pas l'intérieur. On ne sait pas comment ça a été vécu. Ouais. Voilà, et on ne sait pas à quel point c'est un succès aussi. On ne sait pas à quel point ce soir-là ça a été un succès. Je te demande, est-ce que Le Misanthrope ça a été un succès ? Bah, on sait que la pièce elle existe. Hein, on sait que ça peut marcher, mais, ça se trouve, mais on n'a aucune idée de comment ça a démarré en fait. On n'a aucune idée de la première de Cyrano de Bergerac. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est vrai, moi je sais. Personne ne savait à quel point Cyrano ça avait été un truc de fou, quoi. Oui, et puis comment tout ça s'est construit, comment tout ça s'est fabriqué. Et puis, comme on dit souvent, c'est le voyage qui est intéressant plutôt que la destination. Alors, dans ton film, il y a beaucoup de comédie, évidemment, et je voudrais te poser une question par rapport au rythme en fait des gags qu'il pourrait y avoir dans ton scénario. Enfin, en gros, comment tu t'imposes une fréquence de gags ou de situations comiques? Est-ce que tu te dis, bon voilà, pour chaque page il me faut un petit moment drôle, un gag, ou alors c'est un peu instinctivement, organiquement? Ouais, non, c'est plutôt genre, bon bah voilà, cette scène, il faut qu'on dise ça dans cette scène, comment est-ce qu'on peut le dire de manière spirituelle et drôle? C'est plus ça, quoi. D'accord. J'ai pas une fréquence de gag imposée, c'est plus un truc de, bon bah, je connais mes personnages, je sais quel type d'humour ils vont avoir, qui peut à ce moment-là faire la vanne qu'il faut, qui peut à ce moment-là... Et comment est-ce que, voilà, au cœur de cette scène, eh ben voilà, cette scène, elle va... C'est ça qui est raconté dans cette scène. Qui peut avoir une bonne vanne? Qui peut dire ça à ce moment-là? Qui peut dédramatiser? Et vu que donc il y a énormément de personnages dans ton scénario, est-ce que par exemple toi tu calcules le temps de présence de tous tes personnages pour voir s'il y en a pas un qui dépasse l'autre ou qui prend la place de l'autre ou... Non. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se dégage à la fin. C'est-à-dire à la fin, je me dis, ah tiens, vraiment, le rôle principal c'est Edmond, ensuite il y a Léo et Coquelin, clairement il y a un trio de têtes de mecs, puis ensuite il y a Jeanne, puis ensuite il y a un tel, les frères Corse, et c'est ce qui se... Voilà, et c'est ce dont on se souvient, quoi. Et puis il y a des personnages qui sont moins présents en termes de longueur, en termes de temps. Il y a des personnages qui ont tourné 20 jours, mais qu'on voit moins que certains personnages qui ont tourné 5 jours, parce qu'ils ont des scènes qui sont emblématiques. On prend Honoré par exemple, le personnage d'Honoré, et ben en fait il est pas si souvent là, mais quand il est là, il a une scène dont on se souvient forcément. La première scène au café, on s'en souvient parce que c'est lui qui fait toute la scène, et la deuxième scène au café où la dernière scène au café où il leur met, il les remotive et qu'il leur dit allez faut y aller, et qu'il leur fait un monologue ces deux scènes sont un peu emblématiques et du coup le personnage marque. Mais d'ailleurs, on a l'impression que ce personnage est très présent pendant tout le film, alors que c'est vrai, on le voit pas forcément, pas si souvent. Mais c'est vrai, comme tu dis, à chaque fois, donc ce qui prime, c'est l'importance du personnage à ce moment-là. Il y a Mark City qui joue le réceptionniste. Dans la scène du réceptionniste. Moi, je lui avais proposé, je lui avais dit, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un copain, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux venir jouer? C'est lui qui m'a dit, je pense que le réceptionniste, j'aimerais bien venir le faire parce que. Je dis, mais tu sais, c'est une journée. Il me dit, oui, mais la scène est chouette. Donc, il est venu faire le réceptionniste plutôt qu'un personnage qui avait un peu plus de présence. Ouais. Quoi. Ouais. Et tiens, quelle a été la scène la plus difficile à écrire? À écrire. Celle sur laquelle peut-être t'as un petit peu buté ou il a fallu réécrire, je sais pas. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui a été dure? C'est plus un tout, c'est vraiment, je vois plus ça comme un tout, quoi. Il n'y a pas eu une scène difficile plus qu'une autre à accoucher. Non, c'est plus un tout. Ce qui est marrant, c'est que la scène un peu centrale et celle vraiment où la magie opère, c'est la scène du balcon où les trois... se retrouve et où en fait la scène du balcon, c'est vraiment le moment où on comprend le film. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ok, ça va être l'histoire de Cyrano qui se crée. C'est-à-dire que tout d'un coup on se dit, ah oui, ça y est, les personnages sont en place. Et au théâtre, souvent quand on a un public de théâtreux, quand cette scène démarre, dès la première réplique, ils font, ah ok, d'accord, ouais, ok, ça va être le texte de Rostand qui va être imbriqué dans le truc. Et en fait, cette scène, c'est surtout des coupes, en fait. Moi, j'ai fait des petites adaptations, etc., mais c'est, globalement, c'est le texte de Cyrano, mais coupé, réduit, etc. Mais j'y ai pas passé beaucoup de temps, en fait. C'était juste des coupes, comme on arrive vite au truc, et puis après, au fur et à mesure. Hein. Mais quand on la voit, on se dit, ah là là, le travail d'écriture est le plus compliqué. Non, pas vraiment, quoi. Et deux questions pour terminer. Sur quoi tu travailles en ce moment? Et est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'un futur projet?
Eh ben, mon bouquin, là, on est en correction là maintenant, donc ça sort en septembre. Ça s'appelle Loin et c'est un roman d'aventure. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, c'est l'histoire d'un. C'est encore une histoire à tiroir, mais c'est l'histoire d'un jeune mec qui a 25-26 ans et qui et dont le père est parti il y a 20 ans auparavant. Et en fait, il retrouve sa trace et il décide de partir à sa recherche avec sa sœur et son meilleur pote. Et en fait, voilà. Et au fur et à mesure, il va se découvrir, il va découvrir des choses sur lui, sur le père, sur le passé. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ce roman, il va aller de plus en plus loin. Ça s'appelle Loin. Et nous, on va découvrir aussi en parallèle une certaine histoire de l'Europe au XXe siècle. D'accord. Ok. Donc voilà. Ça devrait sortir en septembre, hein, c'est ça ? En septembre. En septembre, donc. N'oubliez chez pas. Michel. Chez Albin Michel. Et alors, toute dernière question. Voilà, si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais ? Quel conseil tu lui donnerais ? Tu peux le regarder, tu peux t'adresser à lui directement à la caméra. Eh bien, conseil d'Alexis Michalik. Si j'ai un conseil, c'est d'écrire et d'écrire, quoi. En fait, c'est d'aller au bout de ton premier projet et puis de passer au suivant et puis de passer au suivant et de passer au suivant, et un jour, en fait, ça finira par donner quelque chose. Eh ben écoute, merci beaucoup Alexis, hein, pour cette interview. Voilà, vous pouvez aller découvrir, si c'est pas déjà fait, le film Edmond en salle de cinéma. Voilà, continuez à fréquenter les salles obscures et à lire des scénarios, et rendez-vous pour un prochain Secret de scénariste. Ciao. Voilà, j'espère que ce 8e numéro de Secret de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Guilde. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche à la culture du scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose de me suivre sur ma chaîne YouTube The Film Talker où je vous propose régulièrement des critiques de films ou des vidéos thématiques sur le cinéma. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour vous abonner. Voilà, Secret de scénariste, épisode 8, c'est terminé. À très bientôt.